Il y a longtemps, très longtemps, il y a plus de 150 ans, naissait en Alabama, au beau milieu des États-Unis. C'est un peu un trou paumé, l'Alabama. Je n'ai pas comparé avec certaines régions françaises, mais on peut imaginer. Naissait une femme qui a eu un parcours exceptionnel. Elle était handicapée, et c'était avant la DSEA. Donc c'était à un moment, il n'y avait pas grand-chose fait pour les gens qui étaient soit en situation de handicap, soit handicapés. Elle était sourde, aveugle et muette. Au 19e siècle, c'est-à-dire. Elle a voyagé dans le monde entier. Elle a rencontré Rodin, qui lui a fait toucher ses statues. Elle a rencontré Monsieur Ford, la plupart des présidents américains. Elle s'appelait Helene Keller. Aujourd'hui encore, il y a sa fondation. Et son nom permet encore à aider des personnes dans le monde entier qui sont atteintes de cécité, de surdité. Et elle a fait vraiment énormément pour des gens, comme le fait la DSEA d'ailleurs. Et nous allons vous présenter un petit peu quelques étapes de sa vie. Elle s'appelait Helene Keller et ceci s'appelle HK. Maman, fais nettoie. Allez, ça suffit.
Prenez toi. Arrête. Allez, ça suffit. Allez, on se lève. On se lève. En plus, t'en as mis partout. On va leur remettre une robe. Hélène, tu viens maintenant, ça suffit. D'accord. Ok. Thank you.
Bonjour, je suis Hélène Keller. Je suis aveugle, sourde et muette. Miss Sullivan a été ma libératrice. La patience qu'il faut pour triompher des grosses difficultés. Savoir, c'est pouvoir. Et savoir, c'est être heureux. Le soleil et l'air sont des dons gratuits que Dieu nous a faits. La vie est une aventure. Les mains des gens que je rencontre sont un langage d'une muette éloquence. Maintenant, nous allons passer aux questions. Oui, monsieur ? Comment Hélène voit les couleurs ? Aucun son dans ces tympans, qu'une lumière, c'est le néant. Hélène, la plupart du temps, s'exprime par des gestes violents. Et face à cette impuissante confrontation permanente, une avenir prévisible que la mort ou l'asile. Ou l'asile, ou l'asile, ou l'asile. Hélène est sourde, aveugle et muette. Sourde, aveugle et muette. Oui, sourde, aveugle et muette. Hélène est sourde.